Les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien cette belle journée, bien sûr, de vendredi, bien sûr, début de week-end pour vous, fin du boulot de la semaine, enfin, etc., etc. Alors, merci pour tous vos messages, vos gentillesses à mon égard, bien sûr. Je le répète au quotidien parce qu'on n'est jamais assez reconnaissant par rapport à cela. Donc, si vous voulez, je me permets de le faire. Alors, nous allons... Là, c'est compliqué. C'est compliqué, les amis, parce qu'on va un petit peu aller tout azimut. Alors, j'ai pris le Gabriel Sanchez, bien sûr, et le Paul Husson à côté pour faire une vidéo, là, qui est un peu angoissante. C'est concernant le Bricaton qui prend des positions. Alors là, maintenant, si on n'a pas compris qu'il travaille pour le 4 qui n'a plus de tard, là, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Il a pris des positions sérieuses où moi, à titre personnel, je n'en aurais pas prises pour éviter de mettre en conflit les gens, hein, d'accord, tout simplement. Il a pris une position, donc là, il, voilà, contre Is qui n'a plus de Raël. D'accord, je vous dirais, c'est peut-être délicat, moi j'aurais rien dit du tout, tout simplement, puisqu'il était dans cette voie dès le départ. Donc, il va y avoir énormément, alors il est midi 20, jeudi, quand je fais la vidéo pour le vendredi matin, vous savez que j'aime bien que ça cale, que tout soit posé pour 9h. Donc, je vais vous dire, là, ça va devenir, il va y avoir énormément de réactions, c'est une évidence. Mais là, on voit véritablement quel est son fond de pensée et ce qu'il peut faire. Donc, ça veut dire qu'il nous implique, si vous voulez, au niveau des franchouillards. Donc, je vais prendre le Gabriel Sanchez. C'est pour ça que l'Émilie Pointer, dont je vous l'ai dit, on avait ras-le-bol de la situation de Stavortan. On apprend aussi le Alexis, le col qui n'en a plus l'air, vous savez, son pote qui est en train de tout sacrifier au niveau des franchouillards. Le Sano qui n'a plus de Fifi, vous voyez l'entreprise dont je veux parler, c'est pareil, tout était organisé bien sûr pour démanteler tout, d'accord, donc ça continue dans cette voie et on va voir les conséquences parce que là c'est compliqué sérieusement de prendre des positions aussi nettes et tranchées. Il ne faut pas oublier, là les franchouillards ça ne va pas aller très loin. Alors dites-moi concernant cette prise de position qui est pour moi d'enjeu pour heureuse. Alors oui, là pour moi c'est vraiment compliqué, hein, d'accord, moi j'aurais pas, il y a des fois il vaut mieux fermer sa boîte à fromage, lui a du mal avec cela, il se pend, enfin c'est vraiment au-delà du frappadingue, si vous voulez, pour moi il y a véritablement un souci, il a un pet au casque. Alors on va faire comme ça et je vous dirai ce que j'ai, voilà. Alors merci pour tous les messages, hein, les amis, c'est véritablement adorable. Bon, alors, il a bien des potes, hein, il y a des discussions âpres qui vont se mettre en place, d'accord, des discussions avec Is qui n'a plus de Raël, d'accord, il va y avoir des discussions âpres de plus en plus engagées, mais au niveau de chez nous, qu'est-ce qui va se produire? Donc, c'est bien chez nous dont on parle, les gens qui sont sur place, il est en train d'attiser le feu, là, ça me dit clairement, bonheur, grâce, plaisir. Je pense que les gens
vont commencer à, enfin, vont pas comment, enfin, là, il faudrait agir, hein, réagir, parce que là, il est fou, hein. Il est complètement fou. Si vous me dites, ça me dit sincèrement que les franchouillards ont bien compris à qui on avait affaire au sommet, qu'on ne peut plus compter sur lui, d'accord. On ne peut plus du tout compter sur lui. Et pour moi, donc, il faut même pas compter sur les dites élites au niveau de la peste aux étoiles, pas de la peste aux étoiles, non, au niveau de l'UTES. Parce qu'apparemment, ils ne veulent rien faire, ils veulent composer pour leur petit confort. Vous savez, comme le Gérard, le roi, le, comment vous dirais-je, l'archer du roi Telet. Voilà, donc ils veulent penser à son bidon et chacun veut penser à son bidon. Donc là, il est en train de nous mettre dans la scoumoun et je pense qu'au niveau international, il va y avoir beaucoup de réactions. Lumière, ben voilà. Donc, ben écoutez, oulala, oulala, alors là, ça veut rien dire avec les frères de la Truelle, hein, puisque c'est comme ça que vous l'appelez la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec eux, mais là, je pense qu'il y a une prise de position qui est très importante, et là, vous voyez, donc, je vous avais parlé par rapport à Bricaton, qu'il dirait ânerie sur ânerie, hein, je me suis pas, là, on est gâtés sur le sujet, j'ai dit que s'il repassait une deuxième fois ce que j'avais vu, donc, entre les deux tours à l'époque, en 2022, je vous avais dit, clairement, ça sera pire que ce que vous pouvez imaginer, c'est exactement ça. Il veut créer le K.O dans notre belle contrée, voyez, d'accord, c'est son objectif, regardez, pure. Donc là, on est parti dans autre chose, hein. Donc, il vient de déclencher quelque chose qui va avoir des conséquences très difficiles pour notre belle contrée. Lui, alors, les âneries sur âneries, et là, ça me dit quoi, excusez-moi. Présent, il va récolter quoi? Des passions, c'est ça. Il va en fait, son rêve, si vous voulez, ce qu'il veut faire, c'est créer un tel compoint-flic. Il a essayé avec Poupou, ça n'a pas fonctionné. Il essaie là avec Is, qui n'a plus de Raël. On va voir les conséquences, mais je pense qu'il va y en avoir des conséquences majeures pour notre belle contrée et pour nous, on sera de moins en moins en sécurité. Nous pouvons aussi observer des amis, notamment du côté d'Orléans. Le maire de cette jolie ville en a plus que ras-le-bol qu'on lui envoie des touristes du sud. C'est devenu, on l'a vu dans les médias, aujourd'hui, donc jeudi, mais vendredi pour vous, c'était hier bien sûr, donc voilà. Donc voyons, là c'est compliqué par rapport à cette réaction débile. Il y a des maladies, et puis vous avez vu, on n'a pas de sous pour nos retraités, mais on a 100 millions pour envoyer dans une autre contrée, soudainement, mais il n'y a pas de sous pour nous. Étrange quand même, hein. Voilà, donc on donne toujours des sous-sous à droite, à gauche, ça continue, c'est le cadre qui n'a plus de tard, mais il faut bien vous dire que tout cet argent ira dans la poche des potes à lire qui n'a plus d'or. Oh mais c'est dingue de chez dingue. Donc là c'est compliqué. Hop. Alors là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Hop. Là c'est compliqué. Bon, franchement on est tombé. On sait maintenant qu'ils prennent tout. Enfin, au départ je voulais faire une vidéo sur la poudre sacrée à l'Assemblée, si vous voulez, et puis j'ai dit non. Ça, c'est beaucoup plus important, mais ils prennent tous de la poudre, mais là, vous l'avez compris. Donc, c'est des gens qu'il faudrait chasser avec perte et fracas, mais je ne le vois pas pour tout de suite, comme je vous l'ai annoncé précédemment. Moi, ce qui va m'intéresser, ce qui va nous intéresser, c'est les conséquences de ce qu'il a dit cet avorton. Voilà, donc dites-moi tout ce que vous pouvez me dire par rapport aux conséquences de ce qu'il a dit cet avorton. Voilà, les conséquences. Les conséquences de cette attitude. Alors, je vois que les abonnés continuent de monter gentiment, voyez-vous. Certains me disent, Chris, on a été des abonnés, je sais, mes amis, mais je n'y peux rien. C'est comme les vues, c'est pareil. Alors, je ne comprends pas trop non plus, parce que moi, je vois un certain nombre de vues le soir avant de me coucher, et le lendemain, ils sont en dessous. Alors, vous vous dites, tiens, il y a un problème chez Lulu, mais bon,
on a l'habitude, donc on s'affole plus, voilà. Qui c'est qui m'avait dit, bon, à l'époque, j'avais que 20 000 abonnés, et un monsieur m'a dit, de Tahiti, là, il m'avait dit, mais Chris, vous aviez 60 000, on a vu. Ben, j'ai dit, ben, c'est Yu-Yu, et puis ça avait redescendu, pourquoi, on ne sait pas. Voilà, enfin, donc vous êtes, vous arrivez sur notre chaîne également. L'autre chaîne, alors je pense que demain soir, enfin ce soir donc pour vous, vendredi soir, il y aura une nouvelle vidéo et je pense en faire vendredi, samedi, dimanche sur l'autre chaîne également. Alors, dites-moi, rien ne s'écoule. Oh punaise, ça va mal. Donc avec Lys qui n'a plus de Raël, bien évidemment, je pense qu'il a fait une énorme, énorme, énorme erreur de communication. On ne parle pas de ce genre de choses. Enfin, franchement, on se tait, quoi, d'accord. Et là, nous voyons bien des histoires de sous-sous, ça, c'est une évidence, et nous voyons bien à la manœuvre le 4 qui n'a plus de tare. C'est lui qui tire les ficelles par rapport à Bricaton. Donc, si vous cherchez savoir qui est aux manettes, c'est lui, d'accord. Voilà, il fait... Ils veulent tout mettre en l'air, tout sacrifier. Enfin, c'est quand même quelque chose de terrible chez nous. Mais là, de toute façon, vis-à-vis des Franchouillards, pour moi, je vais vous dire, là, ça ne passe plus. Ça ne passe plus du tout. Parce qu'on sait nous-mêmes, si vous voulez, attirer. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire de réfé pour un random. Et ils ne veulent pas en faire du tout parce qu'ils ont peur de notre réaction et de notre action. D'accord, en fait, ils veulent tout contrôler. C'est qu'une petite caste de gens, hein, bien sûr, qui sont, ben voilà, Bricaton, la tête à l'envers. Donc là, la situation ne passera pas. Donc là, je peux vous annoncer que ça va être excessivement... Et là, je vois un blocage, mais un total blocage vis-à-vis de Bricaton, vis-à-vis des prises, de cette prise de position qui est, pour moi, dangereuse, pointeuse. Mais véritablement, hein, c'est pas un petit truc... il se met à mal une partie de la populace sérieuse et voilà, on est parti dans autre chose, les amis. Hein, d'accord, il y a beaucoup de gens qui veulent le voir d'égo poimé. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Hein, là. Mais voyons bien qu'il a bien touché des sous-sous, qu'il y a des choses qui vont sortir dans le temps, mais pas maintenant, malheureusement. Et là, nous voyons le blocage. Le blocage par rapport à Bricaton qui a bien la tête à l'envers, qui est manipulé, qui est manœuvré, qui est tout ce que vous voulez, mais en aucun cas, il parle pour nous, il parle pour lui et il nous englobe. Donc, c'est devenu excessivement compliqué, vous le comprendrez, les amis. Ensuite, nous avons ici profession au changement radical, décision, triomphe de quoi ? Je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à discuter pour l'enlever. D'accord ? Là, il y a des décisions qui triomphent. Parce que vous voyez, professionnellement, par rapport là, c'est compliqué. Il y a un changement radical des positions. Comme vous l'avez compris, alors je ne suis pas personnellement, chacun pense ce qu'il veut, les amis. Chacun est libre de ses positions. Pour moi, ça ne me pose aucun souci. Mais dans la communication, dans la diplomatie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'on téléphone à quelqu'un pour lui dire entre eux, pour se dire les choses, il n'y a pas de souci. Mais quand vous accusez quelqu'un qui se défend pour, voilà, là c'est autre chose, vous voyez, vous ne le dites pas en public, vous réglez vos problèmes entre vous. Et là, il y a un changement radical, prise de décision, triomphe par rapport à la justice. Les S.Cro sont bien à la manœuvre, hein, ça veut dire le 4 qui n'a plus de tare. Mais là, de toute façon, on est rentré dans une autre phase. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Parce que c'est... Alors, j'aurais pu vous le diffuser dans la communauté, mais je tiens à vous dire que j'ai des amis qui m'ont déconseillé de publier quoi que ce soit dans la communauté qui pourrait mettre à mal la chaîne. Donc, il faut faire attention dans les publications. D'autre part, les amis, aussi, je vais être claire avec vous parce que nous avons donc une amie sur la chaîne, hein, tout à fait adorable, qui m'a dit, Chris, il faudrait parler d'une cagnotte et compagnie, je ne le ferai jamais, les amis. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a véritablement derrière. Ça peut être aussi de la magouille, ça peut être aussi des choses malhonnêtes, et après, on est impliqué dedans, donc je ne ferai pas ça. Même si, des fois, on a un crève-cœur vis-à-vis d'une situation, vous voyez, on ne le fait pas. Donc, ne me demandez pas de publier des cagnottes, parce que dans le passé, ça s'est avéré...
je pense à une personne en particulier, d'accord, qui avait manœuvré avec ces sous-sous-là. Donc voilà, donc je ne le ferai pas, voilà, tout simplement. Donc ici, il y a un accord dans la folie, donc il y a bien un accord dans la folie pour renverser la table des Franchouillards. Vous entendez bien? Il y a bien un accord dans la folie, renverser la table contre les Franchouillards. Ah mais il est prêt à n'importe quoi, il s'en fout complètement. La peste aux étoiles, donc nous avons la gangrène, je vous l'ai dit, hein, les frères de la magouille du Sud, qui sont bien à l'intérieur de la peste aux étoiles, changement radical, je vous dis qu'à l'arrivée, je vois actuellement des enquêtes au niveau de Bruxelles, hein, notamment, et voilà, donc il y a des choses qui vont sortir. J'ai vu aussi deux événements, entre parenthèses, les amis, j'ai vu qu'à Bruxelles, notamment, alors je crois que c'est au Parlement, quelqu'un se mettre vraiment très en colère contre le système. D'autre part, nous découvrons aussi, c'est une info que je vous donne à Lisbonne, alors ça pète, hein, ça pète dans tous les sens, et nous voyons les touristes du Sud vouloir s'en prendre à la popolilice locale, d'accord, mais c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Voilà, je vous donne les infos que j'ai. Donc ici, changement radical, pour moi, il cherche le feu, hein. Tout ce qu'il veut, c'est, en fait, il voudrait rester par obligation à la tête de la Franchouille, d'accord, et il veut cela, donc il n'y a qu'un seul moyen, c'est de déclencher un conflit. Il a essayé avec Poupou, ça n'a pas fonctionné, et là, il essaye avec Kiss, qui n'a pas plus de Raël, et c'est pour ça qu'ils vont venir beaucoup de touristes du Sud, bien évidemment, pour nous faire partir en fumée. Action, disait Lucas, n'a plus de tas, ça ne marchera pas à l'arrivée. D'accord. Donc, ce qu'ils veulent faire, Bricaton, là, ça ne marchera pas à l'arrivée. Par contre, lui, comment vous expliquer ça? Ces services spéciaux de ce pays dont on vient de parler, Is, qui n'a plus de Raël, d'accord, sont très fortiches pour travailler dans des autres contrées. J'essaye de trouver les mots exacts pour éviter quoi que ce soit, et je pense qu'il a commis une énorme erreur contre lui. Donc pour moi, il devrait y avoir énormément de révélations le concernant. Alors ici, nous avons l'équilibre de quoi? D'accord, donc il reçoit beaucoup de pognon d'ne.mi, hein, ça c'est une évidence, et aussi une forme de protection, vous voyez, comme le seraient des proxés nets ou pas nets, d'accord. Donc voilà, et là ça me dit clairement tout ce qui est sacré, l'équilibre de nous. En fait, le but c'est de nous changer tout simplement, qu'on change de culture, que l'on change de beaucoup de choses, d'accord. Non, mais c'est... réussite de quoi? De la Franchouille à l'arrivée. Donc, me dit clairement, c'est parti pour quelque temps. Là, il n'a plus de limite, il est en roue libre. D'accord, c'est avortant. Il est véritablement en roue libre pour une histoire de pognon, comme toujours, contre les Franchouilles. Mais nous voyons la réussite des Franchouilles au bout. Alors, je n'ai pas dit demain matin, les amis, parce que ça va continuer de Caribancilla, si vous voulez, pour nous mettre les choses dans le dos. Alors, futur blocage. Ah, plus de communication. Nous voyons le bricaton. Et il ne va plus communiquer de la même façon, ça me dit. Donc, il a changé, ça y est, il n'est plus du tout pour les Franchouillards. Maintenant, il va prendre position que pour le 4 qui n'a plus de tare. Vous avez bien entendu? Il a retourné sa veste complètement pour le 4 qui n'a plus de tare. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, fin de contrat. Si ça pouvait être lui, on serait quand même content. Donc la Franchouille n'en veut plus. Il y a quand même l'étoile sur la Franchouille. Hein, voilà, ça c'est dit. Mais là, il y a de plus en plus ces gens vont œuvrer. En fait, si vous voulez, nous savons que nos amis de la Terre ne sont pas contents du tout. Ben, comme je vous l'avais dit à l'époque, si vous allez voir la vidéo où je vous avais dit, on leur promet, ils n'auront jamais rien. C'est exactement ça.
D'accord, on leur a promis, mais ils n'ont rien eu du tout. Donc, il veut essayer de bloquer tout ça. S'il déclenche un compte flic quelque part, forcément, il va tenter de se mettre au sommet, si vous voulez, pour empêcher que les gens aillent se promener dans la rue pour dire ce qu'ils ont à dire. Ensuite, ah ben voilà, on y est là. Bon, ben écoutez, tout le monde, je vous dirai, dans notre belle contrée, désire qu'il dégage. Vraiment, on désire tout ce qui dégage. Vous voyez, il y a une rupture, mais alors la rupture est au-delà de ce qu'on peut imaginer, d'accord. Bon, il faudrait que les gens, d'un seul coup, arrêtent tout. Mais on voit bien qu'il a un pet au casque, hein. On voit bien que ça tourne pas rond là-bas dans sa soucoupe, hein. Là, c'est clair qu'il y a... là, c'est vraiment les mentales. Les mentales, j'adore les mentales, le fromage, mais il y a vraiment des trous de partout, quoi. D'accord. C'est des fuites en totalité. D'accord. Donc les conséquences vont être quand même assez... il y a une rupture à la fois avec Is qui n'a plus de Raël, mais également une rupture avec les Franchouillards. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Ouais, mais en fait, si vous voulez, c'est toutes ces bêtises qu'il dit les unes sur les autres, qui vont avoir un effet bœuf. Donc c'est bien lui qui arrive comme ça, au-dessus des Franchouillards, c'est évident. Et pour se positionner en chef, voilà. Donc clairement, il s'est positionné pour les touristes du Sud. Là, maintenant, vous l'avez. Si vous ne le saviez pas, ben écoutez, vous serez obligé de le savoir parce que ça ne va pas s'arranger. En fait, il faudrait que... on a leur mettre, comment vous dirais-je, un Glasgow kiss, comme diraient nos amis écossais. D'accord, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le projet, pourquoi j'ai un projet? D'accord. En fait, il va même contrecarrer la peste aux étoiles. D'ailleurs, il devrait être recadré par diverses personnes de la peste aux étoiles. Comme la honte qui n'a plus de gris, voyez-vous, la pola poigneux, donc qui me dit clairement il va y avoir une action de communication contre le bricaton tout azimut. Ben écoutez, on n'est pas, c'est, je comprends pas que chez nous personne ne lui dit rien, quoi. Projet, ben il y a plein de gens qui veulent le voir partir, mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant il part pas, d'accord, mais il y a plein de gens qui rêvent de le voir destipointué. D'accord? Voilà. Donc, pour moi, c'est clair sur le sujet. Alors, force. Donc, il va imposer les choses par la force. Ils vont continuer de vendre nos beaux fleurons. Hein. Tout ce que l'on a, ça, c'est une évidence. Et toujours pareil, contre la franchouille. Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont élever la voix contre lui d'une façon radicale. C'est la honte absolue au niveau internat-national. Je peux vous l'annoncer. Mais les conséquences vont être très difficiles pour nous parce que les franchouillards vont se trouver de plus en plus seuls, d'accord, contre... à l'encontre des touristes du Sud. Inaction de qui? Inaction, en fait, ils s'en foutent complètement, en fait. D'accord? Surprise, d'accord? Ils veulent rentrer dans la dualité au niveau des propriétés. Donc, il veut continuer de tout vendre aux quatre, qui n'a plus de tas. Par contre, je vais poser une question. Je pense qu'avec le 32-4, vous savez, les amis, je vais quand même poser une question de savoir... est-ce que nous pourrons récupérer, alors les fleurons comme Sano qui n'a plus de fifi, ça risque d'être compliqué, mais notamment le 4 qui n'a plus de tard, qui a tout récupéré, est-ce qu'on va réussir dans le temps à tout récupérer? D'accord. Est-ce que dans le temps, on va réussir à tout récupérer? Alors, nous avons le projet, donc... on parle de bien ce que je viens de vous dire. Changement de quoi? Invitation. Non. D'accord? Donc, il va falloir... ça se passe. Si ça se passe, ça ne se passera pas dans la légèreté. D'accord? Ça va être très, très compliqué. Et je vois plus tard, plutôt, un retournement de situation
véritable pour mettre dehors tous ces gens qui nous ont dérangés. Projet de trahison, hein. De toute façon, on est bien dans la trahison, issue favorable, mais ça passera plus par la force, les amis, d'accord? Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain, bien sûr, pour d'autres aventures, d'accord? Voilà, donc bientôt, je vais partir tout un week-end parce que je suis invitée avec mon mari. En fait, c'est son anniversaire. Et voilà, donc, mais je ferai des vidéos d'avance, donc vous aurez les vidéos pendant ce week-end-là. Gros bisous tendres, bye bye!